Bonjour les petits elfes, c'est Hélène, petite elfe. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque je lance mon premier book club. Après avoir fait un sondage sur ma page Facebook suite à ma vidéo spéciale des 10 livres que j'aurais dû lire pour les imaginales, vous avez été nombreux à voter pour le livre que vous me recommandez parmi 10 romans et c'est donc La Voix des Oracles, le tome 1 Tia d'Estelle Faye, publié chez Scrinéo, qui a été nominée. Du coup, au lieu de le lire toute seule, je me suis dit que ce serait beaucoup plus sympa de partager cette expérience et je lance donc mon premier book club. J'ai mis une date de démarrage au 16 juin pour le terminer à la fin du mois en espérant soit faire une grande discussion, donc le week-end du 2 juillet si possible, avec plusieurs personnes, soit par écrit, soit en live, je n'ai pas encore décidé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez que je fasse un live à ce sujet-là. Ce serait la première fois, ça me sortirait de ma zone de confort et ce serait une belle façon de discuter tous ensemble. Ou si vous préférez tout simplement, si vous participez, qu'on le fasse par écrit sur l'événement Facebook. De quoi parle La Voix des Oracles? Je vais tout simplement vous lire la quatrième de couverture. Cernée par les barbares, minée par les intrigues internes et les jeux du pouvoir, l'Empire romain, devenu chrétien depuis peu, décline lentement. Les vieilles croyances sont mises au rebut, les anciens dieux se terrent au fond des bois, des montagnes et des grottes, les devins sont pourchassés par la nouvelle église. Tia, fille de l'illustre général romain Gnaeus Sertor, a toujours su qu'elle était une oracle. Il lui faut vivre loin de Rome, presque cachée, en Aquitania, perdue au milieu des forêts. Que faire alors quand son père, son protecteur, tombe sous les coups d'assassins à la solde de son propre fils? Il faut fuir, courir derrière la seule chance qu'elle a de le sauver. Se fier à ses visions et aller vers Brog, dans les montagnes du Nord, là où autrefois Gnaeus a vaincu les Vandales. Et peut-être, le long de ce chemin pavé d'embûches et d'incroyables rencontres, voir le passé refaire surface et réécrire l'histoire. N'hésitez pas à me rejoindre sur l'événement que j'ai organisé sur Facebook, je vous mets le lien en barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour la vie et pour une discussion autour de ce roman. À bientôt !